Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne Se Fringuer, aujourd'hui on est sur Empyrion. Et écoutez, on va voir comment ça se passe, où on en est aujourd'hui. Allez, on y va. Et bon là les petits loulous, je suis de retour à ma base, j'ai vidé mes chests à gogo, je les ai vidés. Et écoutez, j'ai quand même récupéré un paquet de trucs sur cette base, quand même un paquet de trucs. Donc la bouffe, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai récupéré une armure aussi et tout. Et j'ai de l'or là. Tac. Et là, avec les quelques petites ressources qu'on a, on va pouvoir se faire un constructeur avancé. Un ou même deux. On va essayer deux ou un. Un ou deux. Un déjà. Et un coffre pour les mitrailleuses. On va déjà faire ça, déjà en première chose, premier lieu. Ça j'ai plus de place, je suis blindé, je suis outre full, super cool. Je suis vraiment super cool, super full. Alors j'avais vu une armure, elle est passée où? J'arrive à récupérer un paxon, armure médium, voilà. Parce que là j'ai une armure légère, on est d'accord. Donc ça, cloque. Et la mur médium cloque. Et là tout de suite c'est mieux. Franchement tout de suite c'est mieux. Quand on a les petits modules, on va les ranger au bon endroit. De toute façon, on en revendra une partie. Tac. On va faire ça. Tac. Celle-là on la vendra. Donc par contre l'option c'est que quand on a des trucs dans cette armure là, il faut les enlever. Autrement. Il reste sur l'armure. Après, à l'achat, je sais pas si c'est vraiment efficace quoi. Si le prix augmente par rapport à ça, je crois pas. Alors, ça, obligatoire pour l'espace. Ça, l'armure aussi, très important. Et le boost de température pour cette mission. Et là, on est ok. Là, tout est fou, là. C'est un truc de fou. Mais avec toutes ces ressources, on va pouvoir lancer le nouveau blindé là-bas. Celui-là est tout pété. Là, j'attends mon constructeur. S'il a dit qu'on pouvait le faire, il va le faire. Donc on va le faire. Et je vais attendre qu'il fasse le nouveau constructeur. Et puis, je vais aller voir mes cultures. Je vais voir mes cultures et puis je vais voir aussi mes recharges d'eau. Donc là, ça c'est bon pour moi. Ça j'aime. Ça aussi. L'énergie elle est comment? 50%, c'est de la balle. Donc là, comme vous pouvez voir, ça c'est assez exponentiel presque. Presque assez exponentiel. Donc là, il va falloir que je remette du blé. Mais faut que je me refasse des pousses de blé. Mais pour faire des repousses, il faut le blé. Céréales, un truc de machin, truc bidule, truc, y a pas, super. Pour faire du blé, je pourrais en refaire, donc le blé c'est là. Il faut de l'eau purifiée et une solution nutritive. Donc il faut que j'en fasse des solutions nutritives. Je crois que j'en avoir une là-dedans, j'en ai trois, ça va très bien le faire. De l'eau, j'en ai de l'eau. Ah, j'en ai de l'eau là, qu'est-ce que tu me dis? Donc ça, je vais balancer ça dans la bécane, ça aussi. Donc il faut avoir plusieurs ressources pour faire le blé, là, tout cela je peux les refaire, toutes. Alors moi j'ai besoin de blé, le blé il est où? Il est où? Il est là, donc je vais en faire 10. Surtout 10. Mais bon, faire 20, carrément, soyons fous. Pas ça, je vais lancer aussi cela. Paf. Non, peut-être pas cela. Ça, je vais l'annuler, je vais faire celle-ci. Celle-ci, ça ne dit rien. Et ça, bourgeon. Ah, des bourgeons, faudra que je fasse des bourgeons. Ça. Ça aussi. J'en ai déjà fait déjà, donc. Voilà. mettre du carbu pour mes trucs d'eau,
Mais par contre, il va falloir que je pense à Carbuche, je vais commencer à tomber en radin, j'ai l'impression. Donc il va falloir, avec mon nouveau constructeur et mes noyaux, je vais pouvoir me faire des auto-mineurs niveau V2. Le niveau V1, je l'ai débloqué, mais le V2 aussi. Après, ça dépendra des ressources. Là, mes trucs qui débitent, on est pas mal en flottaille, hein, franchement. Je crois que je vais pas les recharger. Attends, je vais les laisser comme ça. Comme pour faire des solutions nutritives, il me faut. Solutions nutritives, il me faut du. De la roche broyée. Donc on va privilégier la roche broyée. J'ai pas pu en faire beaucoup, hein. Donc la roche broyée, je vais en prendre encore un peu. Ouais, de la ferraille, j'en ai démonté, hein. Dans la voie, je peux vous dire, je suis allé à cœur joie, hein. Je suis resté une bonne vingtaine de minutes à le faire. Je peux vous dire que ça va être d'une efficacité redoutable. Donc, ok, du blé, on en a déjà 4. On va pouvoir en poser 4. Par contre, ma serre, faudra que je l'augmente, hein. Faudra que je l'augmente sérieusement, parce que là, je risque d'être un peu limité. Je vais laisser de la flotte là-dedans. Ça, je vais laisser la flotte là. Ça, je vais essayer de planter ces petites plantes. Ça me dit, j'en ai pas encore. Et puis, je me suis trouvé aussi un outil multifonction V2, donc comme nettement plus rapide que la normale. Donc pour les plantes, faut faire comme ça. Autrement, vous allez les détruire. J'ai combien? 4. Bah, je vais me gêner, tiens, je vais en mettre 4. Donc là, j'ai déjà 4. Là, je vais mettre un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est, l'air d'être nouveau, on va dire. Ça a l'air d'être nouveau. Tac, tac. Tac. Allez, on reste encore un, donc on va mettre celle-ci. Là, l'aloe vera, voilà, l'aloe vera, merde, zut, flûte. L'aloe vera, c'est plus pour les médocs, il me semble, c'est pas pour bouffer. Donc, tac, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais enlever ça, tac, ça, je vais enlever, tac, ça, je vais le mettre là. Du blé, du blé, du blé. Placer le blé, je vais le mettre ensemble. Alors, le blé là. Et ça, je sais plus c'est quoi. On va mettre ça. Ça va être ça. Tac. Le blé là. Et là, on va mettre l'aloe vera. Allez, on remet l'aloe vera, c'est pas grave. Tac. Voilà. Et ma serre, faudra que je l'agrandisse, quoi qu'il arrive. Donc mes petites plantes, je vais pouvoir en remettre. Donc là, je suis à combien? Je suis à 50, 54% de recharge, ça c'est de la base. Je crois que je vais être obligé d'en refaire encore à nouveau de ces trucs. Je peux les laisser toutes là-dedans. Les poules, j'en ai à gogo. Là, ce coup-ci, je pourrais en vendre au shop. Hein. Je pourrais en vendre au shop, hein, des pousses. Là, comme vous pouvez voir, il pleut. C'est triste, c'est comme ici, il pleut en fait. Mais c'est bien, ça rafraîchit. Ça, on le met là. Pourquoi j'ai la lampe torche? Ah non, c'est pas la lampe torche. Là, mon armure, on est nickel. Là, ça débite tranquille, 8000. On va pouvoir faire de la bouffe. Est-ce qu'on peut refaire encore des pousses de quelque chose? Non, je crois que ça ira, on va pas insister par-dessus. Quand on va se faire de la bouffe. Ça. Le poisson énergisant, j'en veux pas. On va voir où en est notre super constructeur. Et on l'a. Là, ça c'est formidable. Donc, le super constructeur. On va le mettre
Faudrait que j'agrandisse ma base, mais pas comme pas dans ce sens-là. Faudrait que je l'agrandisse un peu différemment. J'aurais besoin de démonter celui-là de constructeur en fait. Pour pouvoir avoir. Est-ce que je peux en avoir un deuxième sur le coup? Je peux en avoir un deuxième, je crois pas. Hein. Si? Allez. Non, c'est pas celui-là. Non, 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 non. Stop, stop, stop. Ah là, j'aurais pas. Ça, c'est le. Non, je peux pas en avoir un deuxième, mais par contre, ça, j'en aurais besoin. Ça, je peux le faire. Et après, je vais pouvoir le démanteler pour faire ce super constructeur. On va refaire ce super constructeur. Donc, ça, j'irai bien mettre là-bas en dessous. Tout ce qui sera vraiment utility, on le mettra là, on le mettra dans ce coin là, non c'est dans cette zone là, donc là c'est ma recherche de tourelles. Pour mes tourelles, je vais mettre des tourelles aussi incessamment. S'il me reste du bloc, est-ce que j'ai encore un peu de bloc vite fait? Bon, il me reste là, vite fait 64, je vais mettre les tourelles direct. Donc les drones ils arrivent de par là, donc ils arrivent de par là les drones, hein. Ouais ils arrivent de par là, donc on va mettre une super petit bras de tourelle, tac, tac. Faut que je fasse gaffe à mes blocs. Moi j'en veux deux, je sais pas pourquoi m'en met toujours trois, mais bon. Si t'insistes. Hein, si t'insistes. Tac, tac, tac. Tac. Là, on va pouvoir faire un truc intéressant. On va faire un petit truc intéressant, les amis. On va faire un truc comme ça. Ça que je voulais, mais c'est pas grave. Comme ça. On est pas mal pour enlever ceux qui ne sont pas bien faits. C'est une tourelle par 3, c'est pas une tourelle par 3. Ouais, quoi qu'on s'en fout, les amis, franchement, on s'en fout. Pourquoi on peut bien le faire comme ça, hein. Ouais, mais pas comme ça, enfin, Guy, franchement. Faut mettre des blocs normales. Plein. Bon, je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais bon. Et là, on peut faire tout comme ça, pourquoi pas. Celle-là.
n'arrive pas à l'avoir stabilisé, on n'arrive pas à la stabiliser correctement. Pas la remettre comme il faut. Bon, c'est pas grave, on va la basculer plus par là. Bon, l'extérieur. Là. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, on a deux blocs, donc on va refaire là la même chose. Là, rotation, là nos trois blocs, là, et la rotation, ok. Il y a de l'orage dans mon jeu, il y a de l'orage dehors, ça c'est du délire, j'adore ça. J'ai mis trop loin là. Ouais, j'ai mis trop loin, faut que j'enlève. Il faut que j'enlève. Faut que j'enlève ça. Voilà. Là c'est un peu trop là. Ça c'est bon. Donc ça. Excuse, c'est là. Là encore une fois, la rotation, tac, tac, rotation, rotation, et j'ai plus de blocs, c'est super. Je sais pas pourquoi il est même pas dans le stack qui est déjà actif, c'est dommage, ça aurait pu être sympa. Tac, alors là on va pouvoir mettre du bloc bloc. C'est pas les mêmes blocs là. Là faut que j'arrose. Tac, tac, le bloc. Là. Là, on le met sur l'extérieur. Et là, on est pas mal. Là, on a 3. Là-bas, on a que 3 aussi. Ok, on y est, on y est, on y est. Par contre, il faut des mines. On va envoyer des mines dedans. Les mines, c'est ceci. On va là-dedans, on met remplir. Remplissez-moi tout ça. 5000, les tourelles sont activées, tout est activé. On a 58%, on a 4 charges. Ça, on peut récupérer. Et là, il faudrait qu'on fasse quelque chose de différent, parce que là, c'est un peu la merdouille, la base. Toute l'utility, ça, je pourrais les mettre au fond aussi. Hein. Moi, je vais les mettre au bout. On va rester sous la flottaille, tant pis, on va ressortir un nouveau chest. Parce qu'il me faut, je vais en mettre un nouveau pour pouvoir mettre tout ce qui va sortir de la machine.
voir. On sélectionne, ça c'est bon. Et puis on va vider la machine. Alors, ça on va laisser là. Ça aussi. Tout le reste, ça sera. Tout le reste, c'est de la nouvelle, future nouvelle machine. Ça va tout prendre. Alors là, je veux plus de cette machine, donc je vais pas la démonter, je vais pas la réparer, je vais la démanteler, logiquement désassembler, enfin désassembler. Ça va me donner les ressources, là, comme vous avez pu voir à gauche, ça m'a donné les ressources de la machine qu'on vient de désassembler. Donc ça, je vais pas le. Ça, on va tout foutre là-dedans. En attendant, là il n'y a plus rien et on va reposer la nouvelle. Là on va pouvoir faire du de l'automineur. Alors quel côté on va l'avoir, celle-là? J'aime bien comme ça moi. Et puis près là, tac. Et puis là on va tout rebalancer dedans quoi. On va tout rebalancer dedans alors ça. Une ferraille, deux ferrailles, trois ferrailles, ça je laisse. Les trois ferrailles. La flotte je peux laisser aussi. Ça je prends. Ça aussi, ça aussi. Trois ferrailles, j'ai bon. Il me faut juste cette plaque là, automineur. Ok, ça on va foutre ça là-dedans. Après les places pour les ressources, elles sont aussi limitées, elles sont pas des kilomètres. Donc, il est bien de pas trop en mettre du style ça, parce que ça sert pour les plaques d'acier qu'on a looté dans la base. Donc si on en mettait 1000, 2000 chacune, ça va amplement. Contre le verre aussi, le verre comme ça. Ça va amplement pour la machine, hein. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir d'intéressant? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Là, on est au nouveau constructeur. Nickel. Armure toujours légère, d'accord. Les blocs, ça... On a quand même les nouvelles options. Ok. Ça, c'est de la tuerie qui tue. Par contre, moi, j'aimerais des automineurs. Donc là, j'ai un automineur, mais manifestement, il manque des condensateurs. Il manque du condensateur. Le condensateur, ça doit être l'érythrium ou du zirconium, je sais pas quoi. Ça, je vais en refaire un autre parce qu'il m'en manque. Il n'y a pas assez. Et là, on a la totale. On a le réparateur aussi pour les vaisseaux. On n'a pas tout débloqué encore, mais on a le réparateur. Et puis, puis voilà quoi. C'est pas de la balle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve, je suis bon là. Là on est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors là vu que j'ai fait que ça, j'ai rien d'autre spécifique en préparation que je pourrais demander incessamment. J'ai l'automineur 1, l'automineur 2, mais je ne peux pas parce que j'ai pas toutes les ressources. On va être obligé de continuer avec notre chignol V2, mais elle est quand même plus puissante. On va bientôt avoir du plastique, donc c'est nickel. Donc pour l'instant, le constructeur, on le laisse tranquille. On l'éteint, on le laisse tranquille. Si, peut-être la seule chose qu'on va lui demander, c'est de sortir des blocs de ressources, mais il n'y a pas grand-chose. Si, peut-être poudre de magnésium. On peut lui demander de la poudre de magnésium. C'est dispo. Le plastique, non, parce qu'on l'a toujours pas. Du bois, non plus. Des fibres, il en fera tout seul. Que je peux aussi lui demander des fibres, de l'or et des bouteilles d'oxygène aussi. Ça c'est bon, ça. Ça c'est très utile. C'est peut-être pour ça qu'il nous faudra plus de flotte. Donc là, tout de suite, les loulous, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Là, tout de suite, maintenant, ce qu'on va pouvoir se faire, on va, c'est essayer de se sortir un nouveau vaisseau de notre blueprint ici. On va essayer de sortir le blindé, celui-ci. Le SP, il est plus léger, hein. Il est vraiment plus léger, le SP. Space Tourer. Donc on va faire le SP. Je sais pas pourquoi celui-là, il y a plus de ressources. Il y a plus d'armement, il me semble. On va sortir celui-ci. C'est vraiment c'est pas un chasseur d'appoint. Mais il m'inspire bien. On va essayer de le sortir. Alors, déjà, on a un peu de ressources. Et là, on a le choix entre mettre de la ressource pure, donc les lingots, ou alors on peut carrément partir sur du matériel qu'on n'a plus besoin, qui peut le prendre, comme il pourrait ne pas le prendre. Donc j'ai des trucs. Ah, j'ai les drones, bah, c'est pas grave parce que j'ai les tourelles maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai qui me serait pas utile? Les munitions, il prendra pas. Ça, je peux le virer. Ça aussi. Ça, il va peut-être le prendre. Ça, je le garde si je viens de le faire. J'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Grand bloc d'acier. Il va peut-être le prendre. Fusil d'assaut V2. J'en ai déjà un, dégage. Fusil d'assaut V1. J'en ai un. Mais il doit avoir le deuxième. La chignole, peut-être qu'elle va la prendre. Ça, j'ai pas besoin. Les vitres aussi. Le carbu, c'est pour la base. Ça, j'en ai besoin. Ça, je peux en prendre la moitié. Peut-être ça le prendra. Peut-être ça prendra pas. Le chest, il le prendra parce qu'il en a dedans. Ça, je le garde. Du carbu, ça, je viens de le faire. Donc, ça, c'est hors de question. Ça, il va peut-être le prendre aussi. Tac, on va rentrer là-dedans. Ça, c'est la fournaise. J'en aurai besoin. Ce serait dommage de la démonter. Grand bloc d'acier, il prendra certainement pas. Mais on va essayer. On va essayer. De toute façon, les blocs d'acier ne me serviraient pas parce que je vais faire uniquement en. Je vais les blueprinter, les vaisseaux. Donc, ça, le carnet d'artillerie aussi. Fusil à pompe, non. Ça, j'en veux pas. Ça, je le garde du moins. Ça, je vais essayer de le passer. Grand générateur V1, j'ai les moyens de refaire le 1v2. Ça, je vais garder le truc de déco. Le bloc Xeno acier, on va essayer de voir s'il la prend. Un fusil à pompe encore, j'en ai pas besoin. C'est mon fusil fétiche, je le garde. Ça, je le garde. Ça, c'est des munes. Ça, c'est le grand réservoir. V2. Donc, ça, j'en ai besoin. Je vais pas l'utiliser. Celui-là, par contre, je le refourgue. Ça, je peux essayer de le refourguer aussi. Ça, peut-être aussi, mais je suis pas sûr que ça le prenne. Donc, chers amis, ça, on balance des lingots dedans, là. Ici, là. Ici. Et puis, voilà, il y a la liste des lingots là. Mais on peut aussi essayer d'enlever ça. Quelquefois il prend. Alors vous allez sur le sur votre inventaire, vous mettez sur mage et vous basculez. Tout ce qui va rentrer, il le prendra. Tout ce qu'il voudra pas, il le laissera, hein, ça c'est sûr. Et puis là, on est pas mal. Putain, du satium, on a à gogo quoi. Du cobalt, j'en ai pas des masses. Silicium, on n'est pas très loin. Du cuivre non plus. Il a presque tout pris. Donc il nous manque du cuivre, du silicium et du cobalt. Je vais mettre la lumière. Du silicium, du cuivre et du cobalt. Du cobalt, je sais que j'en ai un peu dans la bécane. Sinon, il n'y a rien de en fabrication pure. Donc je vais prendre un peu de ressources là-dedans. J'ai du cobalt là. Du cuivre, du zirconium, ben, c'est super important. Du cuivre, j'en ai aussi là. Silicium, c'est bon. Par contre, le cobalt, je risque d'être peut-être un peu juste. Peut-être un peu juste avec le cuivre, le silicium, du moins. Non, le cobalt. Alors, le cobalt, je balance. Ah, c'est tout passé, nickel. Ça, je vais pas mettre tout. C'est pour l'instant, j'ai pas d'automineur, donc je vais pas tout mettre. C'est pareil, le cuivre. Encore un petit peu. Et voilà. Et on lance la fabrication. Et c'est bonnard. Et le ship est déjà prêt. Ça, je remets dans la bécane. Ça, je remets là-dedans. Et le prochain, on va essayer de se faire le blindé. Donc celui-là, je vais le démonter.
Je vais le démonter tout simplement parce que je vais plus en avoir besoin. Je vais essayer de me faire le. Je vais déjà faire le. Je vais essayer de. Utiliser. Il est déjà tout pété. Donc je vais essayer déjà l'autre. Je vais utiliser l'autre parce que de toute façon. Il est blindé. Démontage. Donc on démonte. Et on pourra toujours balancer dans le futur blueprint tout ça. Tout ça, on pourra le balancer dans le blueprint. Donc faut faire gaffe parce que quand on démonte elle. On n'arrive pas à démonter sa base en même temps. Donc vous chargez, hein, voilà, vous le démontez. Ça va prendre des ressources, ça va prendre des blocs. Ça va prendre des ressources, ça va prendre des items. Il y a beaucoup d'éléments vides dans ces vaisseaux. Bon, c'est les vaisseaux d'origine. Hein. Bon, après, bien entendu, les mines, tout ce qui est encore plein, bah, ça va sauter, ça va popper. Hein. Tout ce qui est encore plein, ça va popper. Hein. Le carbu parce qu'il en reste un peu et puis les munitions et puis les châssis à quelque chose quoi, ça va laisser quand même quelques petits bidules et puis on va le cache le mettre, on va se mettre en préparation le blindé pour les sauts d'attaque. Il y a les drones qui arrivent, est-ce que mes tourelles sont activées? Ouais. Si mes tourelles ne tirent pas, je vous confirme que moi je n'ai pas j'ai des armes mais j'ai pas de munitions dedans, j'ai tout balancé dans les chests. Donc mes tourelles elles n'hésiteront pas. Après je sais pas la portée qu'elles ont. Portée effective les tourelles. Mais bon on les shoot quand même bien avant. Puis elles vont les aligner. Hein. J'espère que j'ai du. Ouais j'ai du. J'ai des mines. Hein. Ouais, j'ai des mines là-dedans. Les tourelles sont allumées. Tout est allumé. Alors, ben, on n'a plus qu'à attendre. Puis, ça va entendre ça faire un vacarme impressionnant. Puis, avec le vaisseau que le jour on va crafter, on va pouvoir les tourelles tournent. Et boum! En un qui est mort. Ouais, donc il y a facilement 300 mètres de portée. Ouais, 330 mètres. Et voilà, ils sont les deux dans la flotte. J'essaie d'aller le looter, mais je suis pas sûr que j'y arrive. Oups. Quelle fois qu'on se loupe, on tire dans les blocs, c'est pas bon. Heureusement, ils sont là. Alors, mettre ça, tac. On va essayer de choper ça. On va au galop. On va sortir le prochain, vu qu'il est déjà sorti, il est très rapide, c'est très bien. Là j'ai encore le potage de ma drone base, il reste que de la ferraille là-bas. Donc, ah, mais ils sont super loin dans la flotte, oh, moi je vais pas courir pendant 10 ans dans la flotte. Nager dans la flotte pendant une heure pour essayer de choper 2-3 loot ou 2-3 mines. On rentre à la base, on va passer la nuit. On va sortir notre vaisseau. Avant toute chose, avant de s'occuper de ça, on va se mettre. Le prochain, celui-là, le même cadeau, ça sera pour beaucoup plus tard, niveau 20. Et il faut quand même beaucoup plus de ressources. Il est bien armé, il est bien blindé. Mais nous, on a besoin de celui-ci. On le voit pas beaucoup, faudra que je refasse un joli blueprint de ça, avec des modifs, parce qu'il y a quand même des trucs qui manquent. Donc, tout ça rentrera quasiment dedans. Bon, là, c'est. Ouais. Maintenant, tout ne passera pas forcément. Hein. Tout passera pas forcément. Donc, il manquera des trucs, du zirconium, des conneries comme ça. Zirconium, j'en ai. Néodysium, j'en ai pas. Mais zirconium, je sais que j'en ai dans la machine ici. Ça, le reste, on peut bazarder là-dedans. Et puis, ça, on va foutre là-dedans. Ça j'ai besoin de le mettre, faut que j'arrive à le mettre rapidement, je vais le poser par là en attendant. Et puis
plus tard, on va finir de miner un peu au fond. On va remettre un générateur et tout le bordel, tout le Bataclan. Pour que ça soit quand même plus présentable. Et là, on a 40% de recharge. Ça, c'est nickel. Donc, on va faire un petit dodo. Des petits loulous. Parce que je parle, mais c'est vraiment long. Là, il fait beau, il fait chaud. On va éteindre ça. Donc ça, je peux pas lancer, c'est parce que j'ai demandé exprès. Ça, c'est des lingots, des pièces d'or, ça c'est pour Bibi. Ça, c'est pour le futur carbu. Les pièces d'or, je les foutre là. Et on va tout de suite sortir notre nouveau petit chasseur. Donc là, on a déjà lancé un autre en construction, c'est pas un problème, vous allez dans la bibliothèque. Montez en haut de la liste, terminé, nous avons celui-ci. Celui-là, il est joli, il me plaît bien, c'est moi, c'est de ma fabrication. Par contre, il a l'air un peu grand quand même, pour tenir sur ma plateforme. Bon, la plateforme, elle est rikiki, tout rikiki, hein. Vas-y, monte sur ton chest. Ça va qu'il tombe de 2-3 km. Pouf! Et on va faire le tour de celui-ci. Alors, il est top niqué, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de train d'atterrissage sur ce machin. Alors, nous avons deux bretlings, hein. C'est pas un chasseur de... c'est pas un truc de combat, c'est vraiment pour le Beer Express. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a le réservoir, ici. On est d'accord, c'est vraiment un truc pour voyager. Nous avons le moteur d'étorsion là-dessous, on a dû l'allonger. Et nous avons du chest intéressant là, donc là on arrive presque pas à passer. C'est juste pile poil pour passer hein, là-dessous. Donc on a des inventaires là, on a notre oxygène ici. Là nous avons notre bouclier ici, qui n'avait pas dans mes proches, dans mes autres. Les autres là on a des grands conteneurs. Pas comparé à ceux-là, ça laisse la moitié. Là je vais déjà mettre la mine, vu que je l'ai récupéré de l'autre. Paf, chargé, c'est ok. Là nous avons une autre trappe. Il a s'est pas posé comme il faut parce que j'arrive à passer sous les âges généralement. Là on a les autres quatre gros conteneurs, très important. Encore un conteneur. Là nous avons un constructeur, on peut faire la bouffe et tout. Enfin nos ressources bien sûr hein. Et nous avons bien entendu notre petit frigo qui est ici. Voilà, il n'est pas très armé, il n'est pas fait pour se battre. Hein. Celui-là, il est fait pour se tirer. Il y a 6-8 réacteurs. Et franchement, c'est cool. On est vraiment bien. Là, on est vraiment bien. Je vais mettre du carbu dedans. Je vais mettre de l'oxygène si j'en ai. Je vais mettre dedans, je vais charger déjà. Pour la prochaine mission. Donc ça remplit. Ça remplit. Pas beaucoup de carbu par contre. On éteint ça. Je vais en mettre correctement de carbu. Carbu. Et nous on a que 4 pattes. 4 pattes taxiles. La prochaine mission ça sera vraiment, si je récupère cela. Prochaine mission ça sera vraiment d'aller sur la lune miner du pentaxile parce que là, pour faire des sauts, il nous faut du pentaxile pour faire des sauts hyper espace, il nous faut du pentaxile. Et là, on peut que faire 8 AO. Donc, c'est un peu tristouné. Hein. On va le décrocher du sol, parce que là, il me semble qu'il n'est pas posé correctement. Donc, on va allumer tout ça. Tac. Ça, vous êtes d'accord? Il y a des trains d'atterrissage, hein, devant, derrière. Il est joli, moi je l'aime bien, il est bien. Il est pas totalement blindé, je suis pas sûr qu'en dessous la coque soit blindée à fond. Mais c'est pour du transport, c'est vraiment du transport de troupes. C'est vraiment du transport. C'est vraiment que du transport celui-ci, donc c'est pas du combat. Donc le truc qu'on va faire aussi c'est dernière sauvegarde, sauvegarder à l'instant. Et quand il y aura besoin de le réparer, tout y sera. Et là, logiquement, je devrais pouvoir passer sous les ailes, parce que là, je vois les trains d'atterrissage.
Voilà. Bien sûr qu'on arrive à passer sous les ailes. Tac. Là, notre frigo, notre constructeur, des chests à gogo. C'est le top. Pour les voyages longue distance. Si vous voulez le crafter, vous n'hésitez pas. Hein. Là, tout carrément, on mettra du stock. Oxygène ici. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est nickel. Voilà. Alors écoutez, on fait une petite pause. On arrête là, on va voir. Et on revient. Tout de suite. Allez. Et ben voilà les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. Il est terminé pour aujourd'hui. La suite est en ligne incessamment. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Merci à vous. Et écoutez, on se retrouve au prochain épisode. Allez, à plus. Tchou.